Donc, on va reprendre notre cours qui concerne, je rappelle, la technologie XML et les applications, et particulièrement donc la partie qui concerne les web services, qui est une partie qui est très importante pour la suite de ce cours. Donc, je rappelle comme d'habitude, en fait, ce que nous avons fait jusqu'à présent. Donc, le cours, nous avons expliqué d'abord pourquoi la technologie XML. Donc nous avons dit que la technologie XML, elle a été créée principalement, c'est pour automatiser l'échange de données entre les systèmes d'information. Donc permettre aux systèmes d'information d'échanger des données, on va dire structurées ou bien semi-structurées. Et donc nous avons en fait vu les bases de la technologie XML, c'est que XML sépare les données, la structure des données et la mise en forme. Pour déclarer la structure d'un document XML, nous avons vu qu'on peut le faire. Il y a deux façons. Donc les deux façons, c'est les DTD et les schémas XML. Donc ça, c'est la première composante importante. Surtout, les schémas XML sont très importants pour la technologie XML. Nous avons vu quelques exemples d'applications, comment déclarer les structures de données. Après, nous avons vu les règles de construction d'un document XML. Bon, il y a quatre règles, donc, notamment pour créer un document XML bien formé. Et puis, il y a la mise en forme. Et pour la mise en forme, donc, nous avons vu en fait, comment utiliser XSL, et XML Style Sheet, qui est un langage c'est-à-dire de création des feuilles de style. Donc c'est un langage de transformation qui permet de transformer des documents, des données XML en format HTML ou bien en d'autres formats parce qu'on a besoin de faire la mise en forme. Donc bien sûr, quand on utilise XSL, c'est l'occasion de voir également XPath. Donc nous avons dit que XPath, donc c'est un langage avec lequel une application peut interroger le parseur XML. Pour notamment chercher les données dans une source XML. Bon, XPath, c'est à peu près l'équivalent de SQL pour les bases de données relationnelles. Bon, si vous vous rappelez, j'avais fait une analogie entre un modèle que vous connaissez souvent, qui est le modèle relationnel. Ça, c'est important parce que ça, c'est un modèle qu'on va beaucoup utiliser. Donc, vous avez des bases de données à créer, relationnelles, et après, vous avez des systèmes de gestion de bases de données à utiliser. Et puis, vous avez des applications à développer. Bon, les applications, pour gérer les données de la base, ils ont besoin d'interroger le système de gestion de base de données en utilisant le langage SQL. Et donc, ça, c'est le modèle relationnel que vous connaissez avec son langage SQL qui est très populaire, que tout le monde devrait connaître. Mais et puis, donc, il y a le modèle en fait de XML, qui est plutôt donc XML, c'est une base de données hiérarchique. C'est-à-dire qu'il organise les données de manière hiérarchique. Pour gérer les données d'un fichier XML, on a besoin d'utiliser un parseur XML. Bon, le parseur XML, c'est à peu près l'équivalent d'un système de gestion de base de données. Sauf que le parseur XML, c'est un petit programme, c'est une petite application que vous allez retrouver partout. Et puis, donc, il y a l'application. Pour pouvoir manipuler des données XML, on a besoin d'interroger en fait le parseur XML en utilisant le langage XPath. Bon, XPath, c'est pour chercher des données dans un modèle hiérarchique, alors que SQL, il est fait pour chercher les données, notamment dans un modèle qui est relationnel. Donc, ça, c'est. Rappelez-vous bien, les deux modèles. C'est un slide qui est important. La similitude entre ces deux mondes, c'est très important. Alors, bien sûr, XML n'est pas fait pour remplacer les bases de données relationnelles, mais XML, il est fait pour transporter, c'est pour transporter des données, une partie des données, d'un système d'information vers un autre. Faire dialoguer les systèmes d'information, faire parler les systèmes d'information distribués, c'est principalement XML a été créé pour ça. D'accord? Alors bien sûr, XML, on va voir que XML, ce n'est pas la seule solution. Il y a d'autres formats de données qui vont être utilisés, comme le format JSON, protocole buffer, on va voir, on va en parler. Mais XML, c'est un cas que tout le monde devrait connaître parce que la technologie XML, elle est partout. Donc, on a vu quelques exemples d'applications. Donc, une fois que nous avons vu les principes XML, DTD, XSL, schéma XML, XPath, bon, ça, on n'en a pas parlé, XQL, ça, c'est autre chose.
Et puis, donc, nous avons vu une application, l'une des applications de la technologie XML qui est SVG. Bon, SVG, Scalable Vector Graphics. Donc, c'est l'une des applications qui permet donc de représenter, c'est-à-dire les graphiques en format vectoriel. On en a parlé la semaine dernière. Nous avons vu la différence entre les images bitmap et les images vectorielles, et que le format SVG, c'est un format que tout le monde devrait connaître. Donc, ça permet donc de représenter des illustrations graphiques au format vectoriel. Et quand on parle SVG, derrière, il y a la technologie XML. Donc, c'est l'une des applications que nous avons vues la dernière fois. Voilà. Donc, ça, c'est pour rappeler un peu ce qui a été fait jusqu'à présent. Donc, pour les gens qui ont raté, en quelque sorte, une partie de ces cours, ou bien, c'est-à-dire ces cours, donc, il faudrait retrouver ces cours-là donc sur Classroom. Donc, quasiment, vous avez tout ce qui a été fait. Tout ce qui a été fait a été enregistré, les exemples d'applications. Je pense qu'on a fait au moins trois exemples d'applications qui sont largement suffisants. Vraiment pour comprendre ce que c'est et comment manipuler la technologie XML. Ce n'est pas la peine d'aller encore en profondeur parce que notre objectif, ce n'est pas de rester sur la technologie XML. Notre objectif, c'est en fait, d'avoir, c'est-à-dire de maîtriser donc, tout ce qui est derrière l'écosystème de la technologie XML. Et puis, il faut l'exploiter. Ben justement, pour pouvoir exploiter, c'est-à-dire ces prérequis de base concernant la technologie XML, donc aujourd'hui, on va parler d'une composante qui est très importante. La deuxième partie de notre programme, ça concerne ce qu'on appelle les web services. Donc, vous avez technologie XML. Quasiment, les cours que nous avons faits sont suffisants pour comprendre qu'est-ce qui est derrière la technologie XML. Donc aujourd'hui, donc on va essayer donc de voir donc un cours sur les bases des web services. Donc c'est ce que nous allons essayer donc de voir. Oui? Allez-y. Allez. Donc on va pas arrêter le cours pour faire l'inscription. Donc si pour vous. Vous allez admettre que vous êtes inscrit, vous voyez, vous commencez votre cours jusqu'à la fin, comme vous voulez. Hein. Allez, allez-y. Bon, alors ça, c'est les petits rappels. Alors, donc, je vous rappelle, en fait, que le. En fait, la technologie XML, comme je disais, donc, il a été créé principalement c'est pour échanger les données entre les systèmes d'information. Voilà. Alors, on peut comprendre que le XML, il a été créé c'est pour automatiser l'échange de données entre les systèmes d'information. Typiquement, c'est très simple, c'est que vous avez généralement les entreprises utilisent souvent des bases de données. OK, des bases de données. Par exemple, j'ai une base de données Oracle qui permet de stocker des produits. OK, et que chaque produit est défini par son ID, par exemple, le nom et le prix. Bon, je gère des produits. Et puis, donc, l'entreprise utilise en fait une application qui est basée sur, par exemple, la technologie Java, une application Java, qui manipule généralement ces données-là. Donc, ça, c'est un modèle que nous allons beaucoup développer. Il y a un cours qu'on va travailler sur la technologie Java J2E. Donc, on aura l'occasion de voir comment développer des applications web qui sont basées sur la technologie Java et qui vont vous permettre de bien sûr, de gérer des bases de données relationnelles. Et puis, de l'autre côté, vous avez une autre entreprise qui, par exemple, utilise une base de données MySQL, par exemple, et qu'elle dispose des applications qui sont basées sur le langage Python ou un autre langage, .NET, etc. Donc, vous avez, techniquement parlant, vous avez deux entreprises ou bien deux applications distribuées. Il y a chaque application, chaque système d'information, elle est basée sur une technologie. Alors maintenant, nous avons besoin de faire parler, de faire dialoguer ces applications. C'est que ces applications ont besoin d'échanger les données.
Bon, à un moment donné, il y a une application, par exemple, cette application Python, à un moment donné, il va envoyer une requête vers cette application-là pour lui demander, je voudrais la liste des produits. Et bien, cette application, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se connecter vers la base de données pour chercher la liste des produits. Alors ici, donc, la communication ici entre l'application et la base de données se fait via le langage SQL, parce que ici, j'ai une base de données relationnelle. C'est des requêtes select, étoile, from, etc. Ben, je récupère des données qui sont généralement des enregistrements. Et puis, ces données-là, il va falloir les envoyer vers cette application. Alors maintenant, quand on va envoyer ces données vers cette application, sachant que ce sont deux applications qui sont hétérogènes, c'est-à-dire qui sont développées avec des langages qui sont différents et des technologies qui sont différentes. Donc nous avons besoin d'utiliser un format de données qui est universel, c'est-à-dire un format que tous les langages comprennent. Alors maintenant, ce format de données, principalement, comme je disais au départ, c'était la technologie XML, c'est-à-dire nous avons besoin d'une application qui va récupérer ces données-là et de les transformer au format XML. Ben, il dit que donc ici vous avez une table qui contient deux produits, et bien cette application-là, elle va récupérer ces données et puis il va essayer donc de générer, de transformer, ou bien de structurer, ou bien d'envoyer ces données-là dans un format de données qui est XML. Alors si on utilise XML, eh bien, donc on aura quelque chose comme ça. Donc XML, donc par exemple ici j'ai la liste des produits. Bon, chaque produit est défini par son ID. Il y a le nom, il y a le prix. Donc ça c'est un produit par exemple. Et ça c'est un deuxième produit. Et après ici vous avez slash produit. Bon, ça c'est un exemple de XML que nous avons déjà vu. Alors maintenant ces données-là. C'est-à-dire l'application, il va se connecter à la base de données pour chercher des données qu'il va traduire, qu'il va convertir au format XML. Et après, ces données-là, elles vont arriver vers cette application. Ben, l'application, c'est du Python, par exemple. Ben, la même chose, cette application-là, il a besoin de lire ces données. Il n'y a pas de problème parce qu'on le sait, tous les langages, toutes les technologies sont capables de lire et de comprendre le format XML. Donc, cette application, elle va lire ces données-là, et après, peut-être, elle va les enregistrer dans cette base de données. Ou bien, elle va les exploiter, elle va prendre une partie des données, elle va, par exemple, les stocker dans la base de données. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire? Ben, on vient de transporter une partie des données d'un système d'information vers un autre. Donc, nous avons ici, c'est la problématique, c'est-à-dire. Le XML, d'abord, il a été créé pour ça, parce que les entreprises avaient besoin d'automatiser l'échange des données. Donc, avant, il y avait un langage qui s'appelait SGML, qui est très ancien. Mais après, donc le XML est venu avec sa simplicité. Allez-y. Avec sa simplicité, donc, c'est pour résoudre donc ce problème de l'automatisation des données entre les systèmes d'information. Alors, maintenant. Généralement, nous avons dit que pour manipuler c'est-à-dire cette application qui va lire ces données et les convertir en format XML, l'opération, ça s'appelle la sérialisation. La sérialisation. Sérialiser, c'est la sérialisation XML. C'est-à-dire prendre des données, parce qu'en fait, ces données-là, ils vont être stockées dans des objets Java. Alors tout ça, c'est des produits, parce qu'en fait, une application Java, quand il va se connecter à la base de données, il va chercher des données, mais ces données-là, ces produits vont être stockés dans des objets Java. C'est-à-dire, principalement, l'application, elle manipule les objets, mais ces objets-là, on a besoin de les convertir au format XML. Et justement, le fait de prendre un objet et de le convertir au format XML, ça s'appelle la sérialisation XML. Sérialiser un objet, parce qu'en fait, un objet, il est stocké dans la mémoire de l'application. Sérialiser un objet, c'est prendre l'objet de la mémoire, de la RAM, et le convertir dans un format de données, par exemple XML. Un objet produit, ça devient. Qu'est-ce que ça devient? C'est une bonne nouvelle. Cette fois-ci, c'est très proche. Donc, un objet XML, qu'est-ce que ça devient? Ça devient ça. Ça devient un élément qui est XML. OK? Donc,
Cette opération sérialisation XML, convertir les objets Java en XML, donc on aura généralement besoin d'utiliser des librairies qui permettent de faire ces opérations-là. OK? Alors, dans une démonstration, je vous avais, si vous vous rappelez, parlé de une librairie qui s'appelle JAXBY. JAX, par exemple, pour Java, JAXBY ou bien JAXBinding. Ben, c'est une librairie qu'on va utiliser et qui va nous permettre facilement de prendre un objet Java et de le convertir au format XML. Donc l'opération, ça s'appelle la sérialisation XML. Le terme sérialisation, c'est quelque chose que vous allez beaucoup utiliser. C'est un terme qui est très important. Donc, on va sérialiser les données XML, ils arrivent vers une autre application, mais cette application, elle va faire l'opération inverse. N'est-ce pas? Parce que les données XML que vous avez ici, on va les récupérer, mais on a besoin de, à partir de ces données XML, ça devient des objets Python ou bien C#. Ça, c'est des produits. Vous voyez ici, donc, j'ai deux produits, deux objets produits, P, P. Pourquoi j'ai deux objets produits? Parce que ici, j'ai deux produits, n'est-ce pas? Les objets produits, c'est des objets Java, n'est-ce pas? Ben, ces deux objets Java, ils sont convertis au format XML. Ah, au moins, ils sont devenus des données au format XML. Ils arrivent vers cette application-là, mais cette application, il a besoin de faire une opération qui s'appelle la désérialisation. Alors, la désérialisation, ça veut dire quoi? C'est prendre des données au format XML et ça devient des objets. C'est-à-dire, ici, ça devient des objets, cette fois-ci, Python. Donc, vous voyez, donc, ici, donc, je transporte des données d'un système d'information vers un autre. Mais quand les données vont sortir d'un système d'information, on a besoin de faire une opération qui s'appelle la sérialisation. Et quand ces données-là arrivent vers l'autre système d'information, ben l'autre application a besoin de faire ce qu'on appelle la désérialisation. Sérialiser, désérialiser. Alors, la désérialisation, c'est que ça devient des objets Python. L'application ici, il n'y a pas de problème, il va tout simplement les manipuler et les envoyer vers la base de données. Alors, donc je suis juste en train de vous expliquer la problématique. La problématique, toujours, les systèmes distribués d'une manière générale. Parce que vous savez, votre filière, la principale, la partie la plus importante de cette filière, c'est les systèmes distribués. Parce qu'en fait, tous les systèmes que vous voyez maintenant en entreprise, généralement, c'est des applications distribuées. Donc, on aura l'occasion d'approfondir, si vous voulez, les connaissances à ce niveau-là. Alors maintenant, là, je vous parle de XML comme tel que nous l'avons vu. Alors maintenant, pour pouvoir faciliter, la communication entre les applications distribuées, pour faciliter la communication ou bien l'échange de données entre les systèmes distribués, ben, nous allons justement faire appel à ce qu'on appelle les web services. Alors justement aujourd'hui, donc je vais vous parler du web service, mais avant de vous parler du web service, donc je vais vous parler d'abord de quelque chose de très important. C'est d'abord dans les systèmes distribués. Alors ne vous inquiétez pas, je vais revenir encore sur ce slide-là parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore expliquées. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, comme je disais, l'objectif, c'est quoi? C'est de créer ce qu'on appelle les applications distribuées. Alors, c'est quoi une application distribuée? C'est une application dont les différentes parties ne se trouvent pas dans la même machine. Vous avez une application qui se trouve dans une machine, dans un ordinateur, qui a besoin de communiquer avec une autre application qui se trouve dans un autre ordinateur. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les applications distribuées. Alors, forcément, pour que les applications puissent communiquer, ben, ils ont besoin de communiquer via les réseaux, n'est-ce pas? Alors maintenant, vous savez très bien, il faut le savoir, c'est que quand vous avez une application qui veut communiquer avec une autre application, nous avons besoin d'utiliser un protocole réseau. En fait, les protocoles les plus populaires qui sont connus, donc il y a le protocole TCP et le protocole
UDP. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous aurez un cours sur les bases de la technologie réseau, mais je vais tout de même dire quelques petits mots sur ces deux protocoles. Alors, d'abord, pour le protocole TCP, c'est un protocole qui fonctionne en mode de ce qu'on appelle connecté. Alors, connecté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois que l'application se connecte vers une autre application, quand il y a une connexion qui est établie, après, les applications, elles peuvent échanger des messages, requêtes, questions, réponses. Exactement, c'est comme si vous arrivez à téléphoner à quelqu'un. Une fois que vous avez la personne en ligne, vous êtes en mode connecté. Après, il y a la conversation. Questions, réponses. Une fois qu'on termine la conversation, on va se déconnecter, c'est-à-dire on va raccrocher. Bon, le protocole TCP, c'est un protocole qui fonctionne en mode connecté. Et qu'avec le protocole TCP, c'est que tous les paquets qui sont envoyés, à chaque fois que vous envoyez une information d'une application vers une autre, le protocole TCP, il garantit que tous les paquets envoyés vont arriver à destination. C'est-à-dire que même s'il y a un paquet, parce que vous savez, les réseaux, généralement, quand vous envoyez des paquets, il y a parfois des collisions, il y a parfois des paquets qui se perdent. Eh bien, le protocole TCP, il vous garantit que quand vous envoyez un paquet, ce paquet-là, il va arriver à destination. C'est-à-dire, s'il y a une erreur de transmission d'un paquet, d'une partie de l'information, lui, il va la réenvoyer jusqu'à ce qu'il arrive. L'essentiel, c'est que le protocole TCP, c'est un protocole qui est fiable. Fiable, ça veut dire quoi? Vous êtes sûr de ne pas perdre des paquets. On ne perd pas d'informations. Autre chose, c'est que dans le protocole TCP, c'est que les paquets, quand vous envoyez des paquets dans un ordre, vous êtes sûr qu'ils vont arriver dans le même ordre. Par exemple, parce que, en fait, une information, vous savez, quand il est envoyé sur les réseaux, il est découpé en plusieurs petits paquets. Des petits paquets d'informations. Et après, ces paquets-là, ils sont envoyés via le réseau. Mais quand ils arrivent à destination, l'autre application qui va recevoir ces paquets-là, il va les recevoir dans l'ordre. Le premier, le deuxième, etc. Donc, l'information, elle est déjà ordonnée. Donc, ça, c'est le protocole TCP. La majorité des applications que vous utilisez, généralement, c'est des applications qui sont basées sur le protocole TCP. Alors, parmi les applications de TCP, il y a HTTP, par exemple, pour le web, il y a SMTP pour la messagerie électronique, etc., 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 FTP pour transfert des fichiers, etc. Mais tous ces protocoles-là, c'est des protocoles qui sont basés sur le protocole TCP. Alors là, je ferme la parenthèse parce que ça, c'est un cours sur les réseaux. Donc, TCP, c'est un modèle, c'est un modèle que vous allez connaître, qu'il faut connaître, que principalement que vous connaissez déjà. Ou bien, il y a l'autre protocole qui est le protocole UDP. Alors, UDP, c'est un protocole qui fonctionne en mode déconnecté, premièrement. C'est-à-dire, ce n'est pas un protocole qui fonctionne en mode connecté, c'est un protocole qui fonctionne en mode déconnecté, premièrement. Deuxièmement, c'est que avec le protocole UDP, quand vous envoyez des paquets d'une application vers une autre, vous n'avez pas la garantie que tous les paquets vont arriver à destination. C'est-à-dire, il y a des paquets qui peuvent se perdre. Et après, le protocole UDP n'est pas responsable dans. S'il y a un paquet qui se perd, qu'il y a une collision, des choses comme ça qui fait qu'un paquet n'arrive pas, il l'ignore. Premièrement. Deuxièmement, c'est que quand vous envoyez des paquets d'une source vers une destination, les paquets que vous envoyez dans un ordre ne vont pas arriver forcément dans le même ordre. Par exemple, j'envoie le paquet numéro 1, 2, 3, 4. Alors le destinataire, il peut recevoir le paquet 4 avant le paquet 3. Avant le paquet 1. C'est-à-dire, on n'a pas la garantie, le protocole UDP ne donne pas la garantie de recevoir les paquets dans l'ordre. Allez, sans question. Donc, après, vous allez dire, mais c'est à quoi il sert ce protocole? Premièrement, on va perdre des données, les données ne vont pas arriver dans l'ordre, etc. Mais à quoi il sert? Il sert à quelque chose de très important.
C'est que le protocole UDP, son avantage, c'est qu'il est très rapide par rapport au protocole TCP. C'est-à-dire la transmission des données avec le protocole UDP, il est beaucoup plus rapide que le protocole TCP. C'est normal parce que le protocole UDP ne fait pas le contrôle, il corrige pas les erreurs, etc. Donc, et du coup, donc, il y a des applications qui sont très utiles pour le protocole UDP. Et la principale application, c'est le streaming vidéo et audio. C'est quoi le streaming vidéo audio? Par exemple, quand vous lisez une vidéo à partir de YouTube, n'est-ce pas? Vous vous connectez, vous commencez à voir des vidéos dans votre téléphone, ou etc. Et quand vous commencez à voir les vidéos, vous savez, une vidéo numérique. Alors, une vidéo numérique, c'est 25 images par seconde. Enfin, parfois, c'est plus normalement. Mais si déjà vous êtes 25 images par seconde, ben, c'est déjà, on va dire, la norme, c'est-à-dire qualité bonne. Mais parfois, vous avez 30 images par seconde, c'est-à-dire les vidéos que vous lisez à partir du web. Parfois, il y a des vidéos en 30 images par seconde, c'est-à-dire combien d'images que qu'on va transmettre pour chaque seconde. Parce qu'en fait, une vidéo, c'est des animations, n'est-ce pas? Et quand vous regardez la vidéo, combien d'images que vous regardez par seconde? Bah, généralement, ça peut être 24, ça peut être 25, ça peut être 30, ça peut être plus, n'est-ce pas? Donc, alors quand vous dites 25 images par seconde, ça veut dire que on a déjà expliqué la dernière fois, c'est quoi une image? Une image, bah, une image, c'est beaucoup de pixels, n'est-ce pas? C'est beaucoup de points. Prenez par exemple une image 640 pour faire une basse résolution, fois 480 pixels. Donc chaque image, c'est une grille de 640, par exemple, fois 480. Pour ça, c'est pour les petites, mais si vous voulez voir une haute résolution, parfois c'est plus que ça, c'est beaucoup plus que ça. Okay? Donc, Edico, donc vous avez une image, c'est beaucoup de pixels, c'est beaucoup de points. Et chaque point, on a expliqué la dernière fois, chaque pixel, c'est 3 octets. N'est-ce pas? 3 octets. Chaque pixel, c'est 3 octets. Alors, si vous faites un petit calcul, une minute de la vidéo numérique à 25 images par seconde, ça va coûter combien en mémoire? Bon, on va faire un petit calcul. Ben, ça, c'est de la culture générale. Alors, une minute, c'est combien d'images? Une minute, c'est combien? Parce qu'on fait, vous avez 25 images par seconde, n'est-ce pas? Donc, chaque seconde, vous avez 25. Donc, c'est-à-dire une minute, il y a combien de secondes? 60. Il y aura 60 secondes. Chaque seconde, il y a combien d'images? 25. Alors maintenant, chaque image, il y a combien de pixels? Chaque image, il y a combien de pixels? 640 fois 480 fois le nombre de pixels, c'est 480 fois 640. Si vous voulez savoir le nombre de pixels. Alors maintenant, chaque pixel, il occupe combien en mémoire d'octets? 3 octets. Pour une image à 24 bits, par exemple. Alors, si vous faites ce calcul-là, vous allez trouver quelque chose qui est supérieur à 1 gigaoctet. Ne sais pas combien vous avez trouvé. C'est ça. Donc supérieur à 1 gigaoctet. Donc vous voyez, donc la vidéo numérique, ça consomme beaucoup c'est beaucoup d'informations. C'est une minute. Transmettre une minute de la vidéo, c'est transmettre 1 gigaoctet, mais ce 1 gigaoctet, si je vous l'envoie maintenant, vous allez le recevoir maintenant, c'est-à-dire en temps réel. Parce que si vous n'arrivez pas à recevoir en même temps que je vous envoie, ben vous allez voir que vous n'allez pas lire la vidéo, c'est-à-dire ce qu'on appelle en streaming, n'est-ce pas? Alors bien sûr, 1 gigaoctet, c'est beaucoup de données, mais grâce aux algorithmes de compression, etc., etc., sans rentrer dans les détails, on va réduire beaucoup la taille, mais ça reste quand même beaucoup de données. Donc, si vous voulez transmettre la vidéo numérique d'une machine vers une autre
en streaming une vidéo en utilisant le protocole TCP, c'est foutu. Ça marche pas. Pourquoi? Parce que TCP, c'est un protocole qui est lent. Pourquoi il est lent? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un paquet qui se perd, il va essayer de le renvoyer. Et quand les paquets sont envoyés, il va essayer de les ordonner à chaque fois. Ça veut dire ça prend beaucoup de temps. Donc, ce qui fait que pour faire le streaming vidéo ou bien le streaming audio, donc TCP ne marche pas. Donc, généralement, on va utiliser le protocole UDP. Donc, c'est juste pour vous dire, c'est UDP, il est fait principalement pour ce genre d'application. Alors maintenant, avec le protocole UDP, on va faire le streaming vidéo et audio. Ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que même s'il y a des paquets qui se perdent, l'utilisateur ne fait pas attention à ça. Alors vous savez, quand vous lisez une vidéo, moi je vous transmets 25 images par seconde. N'est-ce pas? Je vous transmets une vidéo à 25 images par seconde. Alors vous, parmi les 25 images que je vous ai envoyées, il y a une image qui est perdue. Ou bien une partie d'image. Vous n'allez pas faire la différence. Parce que l'œil humain ne fait pas la différence entre une vidéo à 30 images par seconde ou bien à 25 images par seconde. C'est-à-dire, même si on perd, vous savez, quand vous lisez de la vidéo, vous perdez quelques détails, quelques petites informations, mais ça ne va pas vous empêcher de consommer, ça va pas nous empêcher de consommer la vidéo. OK? Donc voilà, donc ça c'est un cours qui concerne les réseaux informatiques. Et les réseaux informatiques, ça fait partie des bases de l'informatique. Donc forcément, il y a un cours que vous allez faire dans lequel vous allez retravailler ça. Il y a une question? Oui? J'ai une question par rapport à TCP/UDP. Vous faites l'exemple de la vidéo. Oui. Est-ce que ça veut dire, par exemple, si on veut regarder une vidéo en streaming, on va privilégier UDP, mais par contre, si on veut télécharger la vidéo, on va utiliser TCP parce qu'à ce moment-là, c'est important d'avoir tous les... Oui. Alors, quand vous téléchargez une vidéo, vous utilisez FTP. FTP, c'est une application de TCP. Quand on télécharge, on n'a pas le droit de perdre un bit d'information. C'est-à-dire, vous téléchargez un fichier, vous prenez tout le temps qu'il faut pour qu'il soit téléchargé. Normalement, c'est TCP parce que TCP, il vous garantit que le fichier que vous allez télécharger, le fichier original, c'est le même que vous avez téléchargé. On perd aucun. Donc, ça, c'est du TCP. Mais quand vous lisez en temps réel la vidéo, ce n'est pas TCP, c'est UDP. Alors, la même chose, ça fait partie de la culture générale. Bon, quand on fait de l'informatique, généralement, on utilise les protocoles réseau, mais sans rentrer dans les détails. Donc, voilà. Donc, ça, c'est juste vous dire que pour faire communiquer des applications, d'une manière générale, vous avez besoin d'utiliser donc les protocoles réseau, ok? Alors, et quand vous utilisez les protocoles réseau, il faut faire la programmation réseau. C'est-à-dire, quand vous développez, il faut faire de la programmation réseau. Et vous savez que pour faire de la programmation réseau, pour faire communiquer les applications, c'est un travail qui est très lourd. Vous allez apprendre à travers le cours comment faire des applications client-serveur en utilisant ce qu'on appelle les sockets, etc. Mais si vous voulez, à chaque fois que vous voulez faire communiquer des applications, vous voulez, c'est-à-dire utiliser les bases de la programmation réseau pour faire communiquer les systèmes distribués, c'est trop lourd. C'est-à-dire que ça va vous prendre beaucoup de temps, c'est très compliqué, etc. Alors, c'est la raison pour laquelle, alors, pour faire communiquer les systèmes distribués d'une manière générale, nous aurons besoin d'utiliser ce qu'on appelle les middleware. Le terme ADA, c'est un terme que nous allons beaucoup travailler. Middleware. Achète le terme middleware. Middleware, c'est. La traduction en anglais, c'est intermédiaire. C'est un intermédiaire. C'est quoi un intermédiaire généralement? Alors parfois, vous faites appel à un intermédiaire qui va vous permettre de communiquer avec quelqu'un d'autre. Donc l'intermédiaire, il va vous permettre de faciliter la communication entre deux entités. Donc les middleware, c'est quoi? Middleware, c'est une couche logicielle. C'est une couche logicielle qui permet de faciliter la communication entre les systèmes distribués. C'est-à-dire, les middleware vont permettre à une application qui se trouve dans une machine, par exemple une application Java qui se trouve dans une machine,
de communiquer avec une application C# qui se trouve dans une autre machine. Donc, si vous voulez faire communiquer des applications distribuées, ben, vous avez besoin d'utiliser des middleware qui vont vous permettre de faciliter la communication entre les systèmes distribués. Alors maintenant, au niveau de ces communications dans ces middleware, ben, il existe, en fait, il existe deux modèles de communication. Il y a deux façons pour faire communiquer les systèmes distribués. Il y a ce qu'on appelle la communication synchrone et la communication asynchrone. La communication synchrone et la communication asynchrone. T'as pas fait les systèmes distribués d'une manière générale quand on les fait communiquer. Donc, vous pouvez dire qu'il y a deux moyens, il y a deux modèles de communication, communication synchrone et asynchrone. Donc, quelle est la différence? Donc, je vais vous expliquer la différence avec quelques exemples et vous allez comprendre. Alors, dans le modèle de communication asynchrone, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une application pour communiquer avec une application 2, bon, la première application, elle va se connecter vers l'application 2. C'est ce qu'on appelle une connexion. OK? Elle va se connecter. Donc, si l'application 2 n'est pas disponible, il n'y a pas de communication. C'est-à-dire, si l'application 2 n'est pas démarrée, l'application 1 ne peut pas communiquer avec l'application 2. Si l'application est disponible, il faut se connecter. Une fois que je suis connecté, l'application 1 va envoyer une requête, une demande vers l'application 2. C'est une question. Requête. Request. Je pose une question. C'est-à-dire, une fois que je suis connecté, l'application 1 va poser la question à l'application 2. Et quand l'application 1 pose la question à l'application 2, ben l'application 1, elle est bloquée. Il attend le retour. C'est-à-dire, quand je pose la question, l'application 1 ne peut rien faire jusqu'à ce qu'il reçoive le retour. C'est-à-dire que tant qu'il ne reçoit pas la réponse, ben l'application 1, elle est bloquée. Une fois que l'application 2 va donner la réponse, ben, l'application 1, il va prendre cette réponse-là et après, il va l'utiliser pour autre chose. Donc, c'est-à-dire que la communication synchrone, c'est une communication qui est bloquante. Bloquante, ça veut dire quoi? Si une application envoie une requête vers une autre application, l'application s'arrête. Il ne fait rien. Il ne peut rien faire jusqu'à ce qu'il reçoive la réponse. Donc, ça, c'est le modèle de communication synchrone. Je me connecte. Je pose la question, j'attends la réponse. Une fois que j'ai la réponse, je fais autre chose. Alors, c'est ce que vous faites quand vous parlez à quelqu'un au téléphone. Vous savez, quand vous parlez avec quelqu'un au téléphone, qu'est-ce que vous faites? Vous allez composer votre numéro, n'est-ce pas? Ben, si la personne n'est pas disponible, s'il ne raccroche pas, s'il ne raccroche pas, la décroche, voilà, raccroche. S'il ne raccroche pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de communication. C'est-à-dire, il faut que d'abord que le destinataire soit disponible. Une fois qu'il est disponible, quand il vous dit allô, ça veut dire que là, il y a une connexion qui est établie. Okay? Une fois que la connexion est établie, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui poser la question. La question, c'est request. Vous lui posez la question. Et quand vous lui posez la question, vous attendez la réponse. Mais en attendant la réponse, vous ne pouvez rien faire parce que vous êtes focalisé sur cette communication. Donc, une fois que vous recevez la réponse, ben, vous prenez cette réponse-là et après, vous pouvez raccrocher et vous pouvez pa passer à autre chose. Donc, ça, c'est un modèle de communication qui est synchrone. Par exemple, la communication via le téléphone, c'est une communication qui est bloquante. C'est pour cela qu'on vous dit généralement, faites attention quand vous conduisez, il ne faut pas, faut pas parler au téléphone parce que quand on parle au téléphone, notre cerveau, il est bloqué par la communication. Et du coup, on ne fait pas attention à autre chose. Bon, c'est vrai, l'être humain, parfois, il est capable de faire beaucoup de choses un peu bizarres comme ça. Téléphone ici, téléphone ici, je ne sais pas comment. Mais en tout cas, dans le modèle de communication synchrone, c'est un modèle qui est bloquant. Donc, les systèmes distribués. OK? Là, c'est le modèle de communication synchrone. Ensuite, il y a un autre modèle de communication qui dit le modèle de communication asynchrone. Alors, le modèle de communication asynchrone, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que vous avez une application 1 qui veut communiquer avec une application 2. Et pour faire communiquer ces deux applications, on va passer par un intermédiaire.
Ouais, de l'intermédiaire, c'est ce qu'on appelle un broker. Bon, un broker, c'est un serveur qui va permettre de faire communiquer deux applications distribuées. Alors, comment ça se passe réellement? Ce qui se passe, c'est que pour que l'application 1 puisse communiquer avec l'application 2, l'application, elle va tout simplement envoyer un message. Il va envoyer un message vers le cet intermédiaire, ce qu'on appelle le broker. Alors, ce broker, qu'est-ce qu'il fait? Quand il reçoit le message, il va regarder si l'application 2 est disponible. Si l'application 2 est disponible, il va lui envoyer le message. Et dans ce cas-là, on va parler de la messagerie instantanée. À WhatsApp. N'est-ce pas? Quand vous travaillez avec WhatsApp, qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez un message, vous voulez l'envoyer à quelqu'un. Mais généralement, quand vous envoyez votre message WhatsApp, en réalité, vous l'envoyez vers un broker, ouais, le serveur, dit WhatsApp. Ou le broker, qu'est-ce qu'il fait? Si votre destinataire, il va regarder votre destinataire s'il est connecté, il va lui délivrer le message. Mais si le destinataire n'est pas connecté, c'est ça ce qui est intéressant, c'est-à-dire le destinataire n'est pas disponible. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le broker, il va prendre ce message, il va le mettre dans une boîte à lettres chez lui, dans ce qu'on appelle une file d'attente. Il va le conserver. Il va le conserver jusqu'à ce que le destinataire se connecte. Une fois que le destinataire se connecte, le broker va lui délivrer le message. Et quand il reçoit le message, il va le traiter. Et l'application peut répondre de la même manière en envoyant encore un message. Et ce broker va délivrer le message pour le destinataire. Alors, ce modèle de communication-là, c'est un modèle de communication qui est asynchrone. Alors, c'est ce que vous faites quand vous travaillez, quand vous envoyez un SMS ou bien quand vous utilisez, par exemple, WhatsApp, n'est-ce pas? Alors, quand vous utilisez WhatsApp, quand vous envoyez un SMS, d'ailleurs, vous savez, la particularité de la communication asynchrone, c'est une communication non bloquante. Pourquoi elle n'est pas bloquante? Parce que quand l'application envoie le message, il n'attend pas le retour. Il envoie le message et après, il peut faire autre chose. Pourquoi il n'est pas bloqué? Parce qu'il a la garantie que le message qui va être envoyé va être délivré au destinataire. Tu m'as mené un message WhatsApp pour la SMS. Quand vous envoyez un message SMS, est-ce que vous attendez le retour? Non. Vous envoyez votre message et vous faites autre chose. Vous n'êtes pas bloqué. Pourquoi? Parce que vous avez la garantie que le message que vous avez envoyé, il y a une application qui va le délivrer au destinataire. Dès que le destinataire est connecté, il va recevoir votre message. D'ailleurs, c'est ce que vous faites souvent. Vous êtes ici en classe, vous suivez le cours, et bon, ça, vous savez très bien le faire. Vous prenez votre téléphone, vous écrivez un message, tic, 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 vrt, très rapidement, vous écrivez un message, vous l'envoyez, n'est-ce pas? Et quand vous envoyez votre message, vous regardez votre cours, vous n'avez rien perdu. C'est-à-dire, vous envoyez un message, vous communiquez avec le monde extérieur, mais en même temps, vous êtes concentré sur votre cours. Donc, vous n'êtes pas bloqué. Et dès que le destinataire va recevoir le message, il va vous répondre. Et quand il va répondre, vous allez entendre une notification. Et quand vous regardez, vous allez trouver la réponse. Vous écrivez encore un message, vous envoyez le message et vous faites autre chose en attendant de recevoir la réponse. Vous voyez, donc quand vous utilisez des SMS ou bien le WhatsApp, c'est que vous êtes en train de faire une communication asynchrone. Regardez, les termes sont très importants. Synchrone et asynchrone. Si vous utilisez le téléphone, c'est plutôt vous êtes dans une communication qui est synchrone, bloquante. Parce que vous posez la question, vous attendez le retour. Mais quand vous utilisez des SMS, c'est une communication qui est asynchrone. C'est une communication non bloquante. Alors, maintenant, ça c'est juste pour vous donner une idée, c'est-à-dire d'une manière générale. Alors maintenant, dans la pratique. Dans la pratique, c'est que on aura l'occasion de voir ça, bien sûr. C'est que dans la pratique, dans les systèmes distribués,
Les entreprises utilisent des brokers. Bon, il y a des brokers qui sont très connus, qui permettent de faire ce genre de travail. Parmi les brokers, donc, il y a RabbitMQ, ActiveMQ, mais il y a un broker qui est très important, qui s'appelle Kafka, qui est très, on va dire, plus performant, que nous aurons l'occasion donc d'utiliser dans la partie cours middleware. Okay? Donc, parmi les brokers les plus populaires que toutes les entreprises utilisent, vous savez que quand des... Un bon exemple. Vous voulez faire un virement instantané. N'est-ce pas? Votre application mobile, vous voulez faire un virement bancaire instantané vers un autre système. N'est-ce pas? Vous avez une application d'une banque qui veut envoyer un virement. Alors, vous savez, un virement, c'est quoi? C'est que vous dites, je veux faire un virement d'un compte vers un autre. Ben, il va falloir que l'application de votre banque envoie un message vers l'application d'une autre banque pour lui dire, tiens, je te vire une somme d'argent dans ce compte. Alors, maintenant, si vous voulez faire ça de manière synchrone, ça, si vous voulez utiliser cette solution, je n'aurai pas le problème. Le problème, c'est que l'application de la banque 1, quand il veut envoyer un virement, si cette application n'est pas disponible, c'est-à-dire le système ne va pas, la communication ne va pas passer. Mais par contre, si on utilise un modèle, alors si par exemple toutes les banques, d'ailleurs c'est ce qui se passe, c'est que toutes les banques font communiquer leur système à travers un broker. Bon, le broker par exemple, il est géré par la Banque du Maghreb. Okay? Banque du Maghreb, il met en place un broker. Bah en réalité, c'est une autre entreprise qui fait ça, mais en tout cas, on va dire c'est-à-dire l'organisme qui permet de gérer ça, c'est la Banque du Maghreb. Bah, du coup, donc, chaque banque qui veut faire un virement qui veut transmettre un virement vers une autre banque, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il envoie un message, n'est-ce pas? Il envoie un virement vers le broker. Et après, c'est ce broker-là qui va se charger d'envoyer le message vers l'application destinataire. Donc, ce qui fait que si les applications sont disponibles, ben, la communication se fait, c'est de la messagerie instantanée. J'envoie un message et ce message va arriver directement vers le destinataire. Mais l'avantage ici, c'est quoi? Si par exemple, à un moment donné, cette application, il y a un petit problème dans le serveur et quand il y a le problème dans le serveur, je redémarre mon application ici. Et quand je redémarre cette application, ben, il y a une autre banque qui m'a envoyé un virement. Est-ce que ce virement-là va être perdu? Ben non. Pourquoi? Parce que le virement, il va être reçu par le broker. Et le broker va stocker ce virement dans une file d'attente, dans une boîte à lettres en quelque sorte. Dès que l'application soit disponible, quand il redémarre, ben, qu'est-ce qu'il va lui donner? Il va lui livrer le message. Bah, et donc vous savez, la meilleure façon pour faire communiquer généralement les systèmes distribués, c'est la communication asynchrone. Ça, c'est l'idéal. Parce que la communication asynchrone, ça permet de créer des systèmes distribués qui sont souples, qui sont très intéressants. Mais sauf que dans la pratique, c'est que on ne peut pas faire que de la communication asynchrone. Généralement, on a besoin de faire les deux. Il y a des situations dans lesquelles on utilise la communication synchrone. Et des situations dans lesquelles on utilise la communication asynchrone. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait retenir dans cette première partie? C'est que c'est très simple. Pour faire communiquer les systèmes distribués, il faudrait utiliser ce qu'on appelle des middleware. C'est quoi un middleware? Middleware, c'est une couche logicielle intermédiaire qui permet de faciliter la communication entre les applications distribué. Et dans les middleware utilisent deux modèles de communication. La communication synchrone, qui est une communication qui est bloquante, et la communication asynchrone, qui est une communication non bloquante. Voilà. Alors, après, on va reparler du reste.
Donc, est-ce que c'est clair? Donc, ce qu'il faudrait retenir dans un premier temps, c'est à peu près ça. Alors maintenant, dans la communication, les modèles de communication synchrone, parmi les modèles de communication synchrone qui sont connus, qu'il faudrait que vous devrez connaître à un moment donné, il y a d'abord les anciens, ce qu'on appelle les standards. Alors, dans les anciens middleware, il y a RMI et CORBA. Alors, RMI, c'est ce qu'on appelle Remote Method Invocation. Alors, si vous faites la traduction de ça, c'est Remote Method Invocation, c'est l'invocation de méthodes à distance. Que signifie ça? Ben, RMI, c'est quoi? C'est un middleware Java. C'est un middleware qui permet de créer des applications orientées, objets, distribuées Java. Je répète, RMI, c'est un middleware qui permet de créer des applications orientées, objets, distribuées. Donc, vous voyez le terme? Distribué. Alors, c'est quoi une application orientée objet distribué? Une application orientée distribuée, c'est une application dans laquelle, par exemple, j'ai une application A1 dans laquelle j'ai un objet P1 qui a une méthode X. Et j'ai une autre machine dans laquelle j'ai une application A2. Dans laquelle j'ai un objet P2 qui a par exemple une méthode Y, une fonction Y. Alors techniquement parlant, ici vous avez deux applications distribuées, n'est-ce pas? Alors, une application orientée objet distribué, c'est une application dont les objets, vous voyez, donc ça c'est un objet et ça c'est un objet. C'est une application dont les objets ne se trouvent pas dans la même machine. Vous avez un objet qui se trouve dans la machine A1 et un autre objet P2 qui se trouve dans une autre machine. C'est ce qu'on appelle une application orientée objet distribué. Alors maintenant la question. Alors que une application orientée objet classique, c'est quoi? C'est une application A dans laquelle j'ai l'objet P1 et l'objet P2. C'est une application dont les objets se trouvent dans la même machine. Alors, on n'avait pas de problème, parce que dans une application orientée objet classique, pour que l'objet P1 puisse communiquer avec l'objet P2, du moment qu'il se trouve dans le même espace mémoire, il n'y a pas de problème. Un objet peut faire appel aux méthodes d'un autre objet. Donc, ça, il n'y a pas ceci. Alors, maintenant, quand on est dans des applications distribuées, c'est qu'il y a un objet qui se trouve dans une machine qui a besoin de communiquer avec un autre objet qui se trouve dans une autre machine. Alors, comment, si vous avez un objet, par exemple, une application Java, je parle Java maintenant, qui se trouve dans une machine, qui a besoin d'une autre application, de communiquer avec une autre application Java qui se trouve dans une autre machine, alors sachez qu'il y a une solution qui existe dans Java depuis très longtemps, et cette solution, ça s'appelle RMI. Donc RMI, c'est quoi? C'est un middleware, qui permet de créer des applications orientées objets distribués Java. Ça veut dire qu'avec RMI, un objet qui se trouve dans une machine peut facilement faire appel aux méthodes d'un autre objet qui se trouve dans une autre machine. C'est-à-dire, vous avez un objet P1 qui se trouve face de la machine. À un moment donné, cet objet-là, dans la méthode X de l'objet P1, j'ai besoin de faire appel à la méthode Y de l'objet P2. Vous voyez donc, un objet qui se trouve dans une machine a besoin de faire appel à la méthode d'un autre objet qui se trouve dans une autre machine. Ça, c'est de la communication distribuée. Alors, si vous voulez faire ça pour les applications Java, bon, sachez qu'il y a une solution qui fait partie de Java depuis longtemps. Ça s'appelle RMI. Donc, RMI, c'est Remote Method Invocation. Donc, RMI, c'est quoi? C'est un middleware
qui permet de créer des applications orientées objet distribué Java. Est-ce que c'est clair? Alors, sauf que, donc, Irimi, c'est fait pour les applications Java. Mais à l'époque, c'est-à-dire avant les années 2000, parce que Irimi, c'est quelque chose qui existait avant les années 2000. Alors, je ne sais pas, avant les années 2000, où est-ce que vous étiez? Chacun. Alors, vous savez, avant les années 2000, pour faire communiquer les systèmes distribués, bon, Irimi, c'était la solution pour les applications Java. Mais à l'époque, pour échanger les données entre les systèmes d'information des entreprises, c'est que Irimi, ce n'est pas forcément la solution. Pourquoi? Parce qu'il se trouve parfois qu'il y a une entreprise qui utilise, par exemple, ici, une application Java. Ici, vous avez une application, par exemple, C++. C'est des langages qui sont différents. Alors maintenant, si vous avez, par exemple, une application Java qui a besoin de communiquer avec une application C++, ce sont deux langages qui sont différents. Donc, on ne peut pas utiliser Irimi. Parce que Irimi, il est fait pour les applications Java. Alors, Ashnawa, le middleware qui était utilisé au lieu de Irimi, ben, ce middleware s'appelait Corba. Alors, Corba, c'est Common Object Request Broker Architecture. C'est quoi Corba? Exactement comme Irimi. Corba, c'est un middleware qui permet de créer des applications orientées objets distribués. Mais sauf que cette fois-ci, avec Corba, les applications peuvent être multilangage et multiplateforme. C'est-à-dire qu'avec Corba, un objet Java peut communiquer avec un objet C++ qui communique avec un objet COBOL, qui communique avec un objet Python, qui communique et pas de problème. C'est-à-dire la notion de langage ne se pose pas. Donc, si on a des applications multilangages distribuées, on peut les faire communiquer avec un middleware qui s'appelait Corba. Donc, Irimi et Corba, c'est des anciens. Ils sont maintenant très rarement utilisés. C'est vraiment, avant les années 2000, la seule solution à l'époque, même les années 2000 jusqu'à 2010, les entreprises... pour automatiser l'échange des données entre les informations, il y a quelque chose qui s'appelle Corba. Bon, à l'époque, il n'y avait pas les web services. Il n'y avait pas les web services. Et du coup, donc, la solution, c'était Corba. Et du coup, donc, les banques, les assurances, les systèmes, les structures financières, l'industrie, ils connectaient, ils utilisent beaucoup Corba. Corba, c'était la solution qui était utilisée pour qu'une banque puisse communiquer, une application d'une banque puisse communiquer avec une application d'une autre banque. À l'époque, la seule solution, c'était Corba. Ça, c'est les anciens. Alors, sauf que maintenant, Irimi et Corba, c'est des middleware qui permettent de faire la communication entre les applications distribuées. Mais à partir des années 2000, il y a des choses qui vont beaucoup changer. C'est l'apparition de ce qu'on appelle les web services. Alors voilà maintenant qu'est-ce qui est utilisé dans la réalité des choses. Alors, en fait, les web services, c'est également la même chose. Les web services sont venus, c'est pour créer une solution qui permet de faire communiquer les systèmes distribués. Ça veut dire une application qui se trouve dans une machine a besoin de communiquer avec une autre application qui se trouve dans une autre machine. Bah, comme on savait le faire avec Irimi, on savait le faire avec Corba. Mais Corba, c'était un middleware qui est lourd à mettre en œuvre. À l'époque, avec Corba, il n'y avait pas la technologie XML. C'est-à-dire tout ce qui a été créé dans les années 2000. Mais à partir des années 2000, ben, tout simplement, on a trouvé qu'il y a des solutions qui sont encore plus simples, plus légères, et qui permettent de résoudre le problème de manière très simple. Et ben, tout simplement, c'est ce qu'on appelle les web services. Alors maintenant, les web services... Bah, c'est quelque chose, durant toutes ces deux années de formation, vous allez forcément utiliser les web services. Alors, dans les web services, il faut savoir, il y a quatre générations des web services. 1, 2, 3, 4. Quatre générations en fonction de l'évolution. Alors, je vais vous expliquer la première génération des web services. C'est d'abord l'idée des web services. D'une manière générale, l'idée des web services, c'est quoi?
c'est faire communiquer. Vous avez une application A1 qui veut communiquer avec une autre application A2 qui se trouve dans des machines différentes. Ou les applications, on va les faire communiquer via un protocole qui s'appelle HTTP, que vous connaissez, HTTP. Vous savez, le protocole HTTP, c'est le protocole du web. Il se trouve que toutes les applications, tous les langages utilisent le protocole HTTP. Ben, du coup, donc, les web services, ils vont exploiter d'abord le protocole HTTP, c'est-à-dire faire communiquer les applications en utilisant le protocole HTTP. Alors maintenant, quand on fait communiquer les applications en utilisant le protocole HTTP, maintenant, on a besoin d'échanger des données entre les applications. Eh bien, la première génération des web services, c'est ce qu'on appelle les web services qui sont basés sur un protocole qui s'appelle SOAP. Alors SOAP, on va le voir en détail tout à l'heure, c'est Simple Object Protocol. Donc Simple Object Access Protocol. Protocole. Alors, le protocole SOAP, je n'ai le principe de base. C'est très simple. Le protocole SOAP, c'est un protocole qui permet d'échanger des messages entre les applications distribuées. Donc, avec le protocole SOAP, une application peut envoyer un message vers une autre application. C'est échanger des messages entre les applications distribuées. Alors maintenant, les messages, ils sont en quel format? Regardez, ils sont en format XML. Alors maintenant, le protocole SOAP va exploiter la technologie XML. Donc, le protocole SOAP, c'est un protocole qui permet d'échanger des messages XML entre les applications distribuées. Et ces messages-là vont être transportés en utilisant quel protocole? C'est le protocole HTTP. C'est-à-dire que le protocole SOAP, c'est quoi? C'est un protocole qui va utiliser le protocole HTTP si pour transporter un message XML d'une application vers une autre. Donc, autrement dit, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est à peu près ça. Regardez. C'est quoi? Vous avez deux applications A1 et A2. Ben, on veut échanger des messages qui sont au format XML. Ça, c'est des XML. Donc, et ici, mais maintenant, vous savez que XML, c'est un message. C'est un message. Mais ce message-là, il faut l'envoyer d'une application vers une autre. Mais pour envoyer un message d'une application vers une autre, il faut utiliser un protocole de transport. Et ici, dans le cas du web service, on va utiliser quel protocole? HTTP. Donc, ça veut dire qu'avec les web services, on va pas réinventer la roue. On n'a pas réinventé la roue. On va utiliser quelque chose qui existe déjà, qui est le protocole HTTP. Parce que HTTP, c'est un protocole du web. Tout le monde l'utilise. Mais on va utiliser HTTP, c'est pour échanger des messages entre les applications distribuées. Et ces messages sont basés sur une technologie qu'on connaît déjà, qui est la technologie XML. Donc vous voyez donc les web services, c'est pas comme Corba, parce que Corba, il a créé son propre protocole, il a créé son propre format de données, donc c'était assez compliqué. Mais avec le web service, on va dire, tiens, on va pas se compliquer la vie. La technologie XML, on la connaît, toutes les applications peuvent comprendre facilement des messages XML, et toutes les applications peuvent utiliser le protocole HTTP. Ben, et sur ce point-là, on va dire, tiens, maintenant, on va créer un standard, un protocole qui va permettre de faciliter la communication entre les applications distribuées. Ben ça, c'est la première génération du web service. C'est le protocole SOAP. C'est ce qu'on appelle les web services basés sur SOAP. Les web services basés sur SOAP, donc rappelez-vous bien, SOAP, c'est quoi? C'est HTTP plus XML. Utiliser HTTP, c'est pour transporter un message XML d'une application vers une autre. C'est clair? Est-ce que c'est clair?
Alors, n'hésitez pas de poser des questions parce que là, tout ça, c'est juste une introduction parce qu'après, on va voir les petits détails. Alors, tout à l'heure, on va s'intéresser à ça. On va voir comment créer les web services, SEO, comment les utiliser. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. Donc les web services basés sur SEO, donc c'était la première génération du web service qui marchait très bien. Depuis les années 2000. 2010 jusqu'à même de 2015, etc. Les web services basés sur SOAP, c'est quasiment toutes les entreprises les utilisent. Okay? Alors, sauf que il faut savoir une chose, c'est que le XML, c'est bien, parce que là, derrière XML, il y a les parseurs XML, il y a XPath, il y a XQuery, il y a tout ce que vous avez vu, les schémas XML, c'est-à-dire tout ça, c'est quelque chose qui facilite la manipulation de XML. Mais XML, il a un inconvénient. Alors, c'est quoi l'inconvénient principal de XML? Regardez bien. XML. Oui? Je veux savoir, est-ce que les web services sont indépendants des langages? Non. Alors, justement, c'est ce que nous allons voir. En fait, c'est ce qu'on veut. C'est que les web Ah. services, on peut créer un web service avec Java et on va le consommer avec Python. Et donc, c'est-à-dire que les web services, exactement comme Corba, on peut créer des systèmes distribués, on peut faire communiquer les systèmes distribués, multilangage et multiplateforme. Donc, c'est-à-dire, forcément, le problème du langage ne se pose pas. Donc, comme je disais, donc XML, c'est une solution, mais XML, il a un inconvénient majeur. Achnaoual, l'inconvénient majeur de XML. C'est que XML, ça prend beaucoup d'espace. XML, il est ce qu'on appelle, on dit que XML, il est bavard. Vous savez, quelqu'un qui est bavard, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, n'est-ce pas? Quelqu'un qui parle beaucoup, mais pour dire quelque. Le problème, c'est pas quand il y a quelqu'un qui parle beaucoup. Bah, si tout ce qu'il dit, il est très important, il n'y a pas de problème. Donc justement, XML, il est bavard parce que parfois, pour vous transmettre une petite information, regardez, ici, je vois beaucoup de. Pour avoir deux produits, je vois il y a beaucoup de balises. Il y a ID, name, price, ID, name, price. C'est-à-dire XML, ça prend beaucoup d'espace. Par exemple, ce message XML que vous voyez là, si vous comptez le nombre de caractères, parce que chaque caractère, c'est un octet. Si vous comptez le nombre de caractères, vous allez trouver c'est 279 octets. Donc, c'est-à-dire que XML, il a deux inconvénients majeurs. J'ai parlé de un, il y en a deux. Le premier, c'est que d'abord, c'est que ça prend de l'espace. Pour transporter un message XML d'une application vers une autre, bon, généralement, XML, ça prend de l'espace. Il est verbeux, il est bavard. Le deuxième inconvénient, c'est que quand vous allez charger un fichier XML en mémoire, c'est-à-dire le parseur XML, pour qu'il puisse charger un fichier XML en mémoire, ça prend également du temps. C'est-à-dire le. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai parlé sérialisation et désérialisation. Sérialiser XML, ça prend du temps, et désérialiser, ça prend du temps. Attention, quand je vous dis ça prend du temps, alors ce n'est pas 10 secondes, c'est-à-dire c'est 10 millisecondes, c'est-à-dire c'est par rapport à une application informatique, on a besoin d'être parfois d'économiser du temps. Donc déjà, XML, flow transport, il y a un flow transport, flow réseau, donc ça prend du temps, c'est lourd. Et quand il arrive vers l'application, l'application qui va le charger en mémoire, également c'est XML silo. Donc ça, c'est deux inconvénients principaux de XML. C'est la raison pour laquelle, en fait, il y a d'autres formats de données qui ont été créés par la suite, qui sont encore plus légers que XML. Et parmi ce format-là que vous devrez connaître, que vous allez beaucoup utiliser, il y a ce qu'on appelle le format JSON. Alors regardez bien. En format JSON, par exemple XML pour représenter ces deux produits, voilà un premier produit et voilà un deuxième produit. Ça, c'est format XML. Alors en format JSON, voilà ce que je vais faire. Comme il s'agit d'une liste, on va utiliser ici un crochet, comme quoi c'est un tableau. Et dans ce tableau-là, j'ai des objets. Chaque objet, il est délimité par des accolades. Ici, donc, j'ouvre une accolade. L'attribut ID, deux points, valeur. Par exemple, ID égale à 1, virgule, l'attribut name,
c'est quoi sa valeur? C'est PC. Virgule. L'attribut price, c'est quoi sa valeur? C'est 11 200. Alors, hada, c'est le premier objet. Vous voyez donc, hada, c'est le premier produit. Alors, ça, c'est un produit en XML. On est assez en format JSON. Virgule. Et j'ajoute encore. Le deuxième produit, c'est ID, name, price. Alors, si vous regardez bien, si je vous donne le message XML, comme le message XML qui contient deux produits, et je vous donne ce message XML en format, plutôt ce message en format, disons, bien, je vous donne la même information. Je te donne un fichier qui contient deux produits en format XML, et je te donne également un fichier qui contient les mêmes produits, mais au format JSON. Bon, je vous donne la même information. Sauf que avec XML, ça prend plus d'espace, ça prend 279 octets, mais en format JSON, ça prend uniquement 90 octets. C'est-à-dire le format JSON, c'est un format qui est relativement léger par rapport à XML. En termes de transport, ça prend moins d'espace que XML. Deuxièmement, c'est que JSON, au moment de la sérialisation et la désérialisation, quand on veut charger les données JSON en format, c'est-à-dire en mémoire, ça prend, c'est plus rapide que XML. Donc, c'est-à-dire que JSON, c'est un format qui est encore plus léger. Donc, ce qui fait que les web services basés sur SOAP, c'est l'inconvénient, c'est qu'on est obligé d'utiliser le format XML. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a une deuxième génération des web services qui s'appelle les web services basés sur REST. RESTful ou bien REST, donc on aura l'occasion d'en parler. Donc avec REST, c'est quoi? Ben, c'est la même chose. On va utiliser le protocole HTTP. C'est toujours le protocole HTTP qui va être utilisé. C'est pour échanger des messages entre les applications distribuées. Alors sauf que ces messages-là sont en quel format? Et bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé d'utiliser XML. Si vous voulez utiliser XML, vous pouvez l'utiliser. Mais ça ne sert à rien. Parce que si vous utilisez REST avec XML, il vaudrait mieux rester le protocole SOAP. Donc, généralement, avec REST, dans la majorité des cas, on va utiliser le format JSON. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on fait avec les web services basés sur SOAP, on peut le faire également via les web services basés sur REST. La différence, c'est qu'avec SOAP, on va échanger des messages au format XML, mais avec REST, on va échanger des données au format JSON. Bah, il dit que donc REST est relativement plus léger que les web services basés sur SOAP. Donc, ce qui explique que les web services basés sur REST sont plus utilisés que les web services basés sur SOAP. Alors, après, on va voir les web services basés sur SOAP. Ils ont quand même d'autres avantages qui sont liés à la technologie XML, ce qui fait que parfois dans les systèmes d'information des entreprises, parfois vous trouverez encore YesSOAP qui est encore utilisé. Donc c'est pour cela que vous aurez besoin de connaître les deux, les web services basés sur SOAP et REST. Un, c'est clair? Donc vous voyez donc l'évolution. SOAP, avant les années 2000, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait RMI et CORBA. Après les années 2000, on va dire, tiens, on oublie CORBA, on va faire plus simple, on va utiliser HTTP et on va utiliser un format qui était connu, c'est XML, et ça a donné SOAP. Mais après, on va dire que XML, bon, c'est un peu, c'est lourd, surtout quand il s'agit de transmettre beaucoup de messages, beaucoup de données. Et du coup, donc, au lieu d'utiliser XML, on va utiliser le format JSON, ce qui a donné une deuxième génération du web service qui s'appelle les web services basés sur REST. Alors après 2015, il y aura une autre évolution. En 2015, c'est que il y a une troisième génération du web service qui s'appelle GraphQL. Cette génération du web service, il est très intéressante, mais peut-être elle est peu connue. Alors en fait, Facebook a créé cette génération du web service GraphQL. Pourquoi?
Donc, avec GraphQL, regardez bien. On va toujours utiliser HTTP et le format JSON. Mais sauf que cette fois-ci, c'est quoi l'inconvénient du web service basé sur SOAP? Regardez bien. L'inconvénient du web service basé sur SOAP et REST, c'est quoi? C'est que, par exemple, quand une application demande au web service, je veux un produit. Je veux, par exemple, un produit. Bah, ici, vous avez par exemple une classe produit qui contient des attributs. Vous avez ID, vous avez le nom. Alors, ça, c'est un peu. Alors, c'est-à-dire, cette application-là, elle va gérer des produits. Donc, ça veut dire que dans l'application, vous allez créer une classe produit qui est définie par ses attributs. ID, le nom. Le prix, la quantité, etc., etc. Vous allez avoir beaucoup de caractéristiques pour les produits. Maintenant, avec les web services basés sur REST, quand une application demande « je veux un produit », qu'est-ce qui se passe? Et bien, cette application-là, elle va prendre le produit, il va l'envoyer vers... Il va prendre tous les attributs liés au produit, il va les envoyer vers l'application client. C'est-à-dire, quand vous demandez un produit, vous allez recevoir un produit avec son ID, son nom, son prix, sa quantité, avec toutes ses caractéristiques, tous ses attributs. N'est-ce pas? Même si vous n'en avez pas besoin. Supposons, quand vous voulez consulter un produit, vous avez besoin que du prix et de la photo du produit. C'est-à-dire, le client qui veut consulter un produit, il a besoin que du nom du produit, de son prix et de sa photo. Donc avec les web services basés sur REST, quand vous demandez un produit, il va vous donner tous les attributs. Et après, c'est à vous de prendre, donc, parmi les attributs, vous prenez les attributs qui vous intéressent et vous les affichez. D'accord? Donc ce qui fait qu'avec les web services basés sur REST, le client n'a pas le moyen de préciser dans sa requête quels sont les attributs qu'il veut. Par exemple, avec REST, je ne peux pas dire donne-moi le produit, mais je veux que le prix et la quantité. Un autre qui va lui dire je veux le produit, mais je veux que la désignation et par exemple la quantité en stock. Avec REST, on ne peut pas faire ça. Avec SOAP, on ne peut pas faire. C'est-à-dire, avec SOAP et REST, quand vous demandez à un web service je veux un produit, et bien le web service il va vous envoyer l'objet produit avec tous ses attributs. Est-ce que c'est clair? Vous voyez le problème? Le problème, c'est qu'avec REST, c'est que parfois il y a une application mobile, il y a une application web. L'application web, il a besoin d'afficher un tableau dans lequel il y a le détail des produits. Mais l'application mobile, parce que c'est un petit écran, ben, je n'ai pas besoin de tous les attributs. J'ai besoin d'afficher que la photo, le prix et quelque chose, n'est-ce pas? Ben, il dit que donc, avec REST, ben, les données que va recevoir l'application web et les données que va recevoir l'application mobile, c'est la même donnée. Donc, ce qui fait qu'avec les web services basés sur REST, généralement, l'application cliente reçoit beaucoup de données dont il n'a pas besoin. Vous n'avez pas le choix. Vous voulez un produit, hack le produit. Et après, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait que les applications clientes vont plutôt recevoir beaucoup de données dont ils n'ont pas forcément besoin. C'est-à-dire, avec les web services basés sur REST, on ne peut pas faire ce qu'on appelle une projection. Vous savez que le terme projection, c'est quelque chose qui existe dans SQL. Avec SQL, qu'est-ce que vous faites? Vous faites select, par exemple, vous faites select ID, virgule, nom, from, produit, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous demandez à la base de données? Vous lui dites, je veux la colonne nom et la colonne prix. C'est que vous pouvez spécifier normalement les colonnes que vous voulez. Avec SQL, on peut le faire. Mais via HTTP, via REST, quand on demande une ressource, on peut pas préciser les colonnes qu'on veut. Donc on lui dit, donc je veux un produit, je veux par exemple un fournisseur, je veux tel. Ben, il vous envoie les attributs. Mais après, c'est le client qui va se charger de savoir quels sont les attributs qui l'intéressent. C'est clair? Vous voyez le problème? Et bien ce problème, il va être résolu par la troisième génération du web service qui est GraphQL.
Donc, avec GraphQL, dans la requête, quand une application envoie une requête, par exemple pour demander un produit, par exemple je veux demander un produit, je lui dis donne-moi un produit, mais dans la requête, je vais spécifier, par exemple, je veux par exemple que le prix et la quantité. Vous voyez, donc la question. Quand je pose la question, je dis je veux un produit, mais je veux que le prix et la quantité. Et après, quand le web service va répondre, il va vous donner le produit, mais qu'est-ce qu'il va vous envoyer comme information? Il va vous envoyer que le prix et la quantité. Si vous voulez autre chose, bah, tout simplement, vous dites je veux le prix et la quantité et le stock, et etc. etc. Donc, c'est-à-dire qu'avec GraphQL, le client peut préciser dans sa requête normalement les attributs dont il a besoin. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que si je crée un web service GraphQL, l'application web, il a besoin de beaucoup de détails, donc il va les demander. Mais l'application mobile, il aura besoin que quelques informations. Donc, c'est-à-dire, l'application mobile, je lui envoie une petite quantité d'informations, mais l'application web, je peux lui envoyer, par exemple, une grande quantité. Et ça, c'est en termes d'optimisation, vous pouvez dire que GraphQL, c'est mieux que REST. Et REST, c'est mieux que SOAP. Donc, vous voyez, donc on améliore un peu les choses. Mais ça reste toujours GraphQL. REST, c'est le plus répandu, c'est le plus utilisé. Même si avec cet inconvénient-là, ça ne dérange pas. Mais il y a des entreprises qui vont préférer travailler avec GraphQL parce que c'est encore plus souple, c'est plus optimisé. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est la troisième génération. Donc 1, 2, 3. Alors maintenant, en 2018, là, on arrive à la 2018, il y a Google. Bon, ça, c'est Facebook. Ça, c'est Google. Alors, en 2018, il y a Google. Google qui a créé une quatrième génération du web service qui s'appelle gRPC. Alors, gRPC, c'est le G là, c'est Google. RPC, c'est Remote Procedure Call. RPC, c'est quelque chose de très ancien. Remote, c'est Procedure Call, c'est l'appel de méthode à distance. C'est comme si vous dites l'appel de méthode à distance. C'est comme si vous mettez Remote Method Invocation, c'est à peu près la même chose. L'appel de méthode à distance, RPC. Donc, gRPC, il va encore faire mieux que GraphQL. Comment? D'abord, c'est que avec gRPC, il va utiliser le protocole HTTP2 au lieu de HTTP1. Alors, il faut savoir une chose en tant qu'informaticien d'une manière générale, c'est que le protocole HTTP, il y a deux versions, la version 1.1 et la version 2, et qu'il y a une grande différence entre la version 2 du protocole HTTP et la version 1.1. La différence majeure. C'est que dans la version 1.1, comment il marche? C'est que le protocole HTTP 1.1, c'est un protocole qui fonctionne en mode ce qu'on appelle half duplex. Ça veut dire quoi, half duplex? C'est que la communication se fait dans un seul sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec HTTP 1.1, c'est toujours le client qui pose la question au serveur. C'est toujours le client qui demande au serveur quelque chose. N'est-ce pas? Le client envoie une requête vers le serveur. Le client, regardez, avec HTTP1, qu'est-ce qui se passe? C'est que le client envoie une requête vers le serveur, request, et le serveur va lui donner la réponse. Une fois que il reçoit la réponse, il y a une déconnexion. On arrête. C'est comme si vous appelez quelqu'un, vous composez, vous avez la personne, vous lui posez une question, il vous donne la réponse, il vous raccrochez. Si vous voulez encore lui poser une deuxième question, qu'est-ce que vous faites? Composer, question, réponse, raccrocher. Le protocole HTTP 1.1, c'est comme ça que ça se passe. Rappelez-vous bien, je compose, ça c'est la connexion. Question, réponse, déconnexion.
connexion, question, réponse, déconnexion. HTTP, tout le web que vous utilisez, c'est comme ça qu'il marche. Donc, ça veut dire que avec le protocole HTTP 1.1, c'est toujours le client qui demande au serveur. Si le client n'a rien demandé, le serveur ne va rien envoyer. C'est-à-dire qu'avec HTTP 1.1, le serveur n'a aucun moyen pour contacter le client. C'est toujours le client qui contacte le serveur. C'est comme si je vous dis, si vous voulez quelque chose, vous me téléphonez. Vous m'appelez, question-réponse, et je vous donne la réponse. Mais moi, si je veux vous envoyer quelque chose, je n'ai aucun moyen. C'est-à-dire que c'est pour cela qu'on dit que HTTP 1.1, c'est un protocole qui fonctionne en mode. Voilà l'invité. Ne vous inquiétez pas parce qu'il va scanner et après peut-être il va sortir. Donc, le protocole HTTP 1.1, c'est un protocole qui fonctionne en mode half duplex. Ça veut dire c'est toujours le client qui demande au serveur. Donc, ça veut dire qu'avec HTTP 1.1, bon, c'est toi qui vas faire le. On est désolé. Donc, vous voyez, donc, avec le protocole HTTP 1.1, on ne peut pas créer ce qu'on appelle les applications réactives. Je nomme les applications réactives. Les applications réactives, ça veut dire que quand il y a quelque chose qui se passe chez moi, vous êtes au courant. Et quand il y a quelque chose qui se passe chez vous, moi, je suis au courant. Donc, avec le HTTP 1.1, par exemple, à chaque fois, vous savez que dans le web, mais qu'elle déroule la page, et après, vous avez des informations. Et si vous, si par exemple, vous voulez actualiser, vous voulez voir est-ce qu'il y a des nouvelles informations, qu'est-ce que vous faites? Vous faites refresh, n'est-ce pas? Et quand vous faites refresh, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous envoyez une requête vers le serveur et vous rechargez la page. Parce que derrière, il y a HTTP 1.1. Ça veut dire que même le serveur, s'il reçoit des nouvelles informations, il n'a aucun moyen pour les envoyer vers les clients. Il doit toujours attendre que le client demande pour rafraîchir. Donc, ça, c'est HTTP 1.1. Mais après, il y a le protocole HTTP 2 qui a été créé, qui est HTTP 2, lui, c'est un protocole qui fonctionne en mode ce qu'on appelle full duplex. Full duplex. Ça veut dire quoi, full duplex? Ça veut dire qu'avec HTTP 2, la communication se fait dans les deux sens. C'est qu'avec HTTP 2, le client peut contacter le serveur quand il veut, et le serveur peut contacter le client quand il veut. C'est-à-dire qu'avec HTTP 2, la communication se fait en mode bidirectionnel. Quand il y a une nouvelle information qui arrive vers le serveur, il va être envoyé vers le client. Et quand le client veut envoyer quelque chose vers le serveur, il l'envoie. C'est-à-dire que l'échange peut se faire dans les deux sens. Donc voilà un changement très important dans le web, et notamment qui va être apporté par le protocole HTTP 2. Donc ça veut dire qu'avec le protocole HTTP 2, on peut créer des applications réactives. Par exemple, quand il y a quelque chose, quand vous travaillez des applications de chat, n'est-ce pas? Parce qu'une application de chat, c'est que quand il y a un message qui arrive, vous allez le voir sans faire refresh, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de rafraîchir votre page pour voir les nouveaux messages. Dès qu'il y a un message qui arrive, vous allez le voir. Bon, c'est-à-dire que le serveur vous envoie des informations. Et pour que le serveur puisse vous envoyer des informations quand ils sont disponibles, ben, ça veut dire que la communication peut se faire de manière bidirectionnelle. Donc, c'est-à-dire c'est qu'avec HTTP 2, on peut facilement créer ce genre d'applications dont la communication est bidirectionnelle. Donc, Ada, d'abord, c'est le premier avantage de HTTP 2. Donc, gRPC, au lieu d'utiliser HTTP 1.1, il va utiliser HTTP version 2. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est que le format JSON, t'as un inconvénient. C'est-à-dire, on peut encore faire mieux. Regardez bien. Donc, regardez le message JSON que vous voyez là. Il y a quelque chose qui cloche.
Alors pour les yeux, pour un être humain, ça c'est bien. Parce que je vois ID. Je vois ID, name price. ID, name price. Pour ça, c'est JSON pour les yeux. C'est très bien. Il n'y a pas de problème parce que c'est lisible. N'est-ce pas? Mais pour les machines, ils détestent. Pour un ordinateur, si vous lui donnez un format JSON comme ça, il me dit, il y a quelque chose qui va déranger l'ordinateur. D'après vous, c'est quoi? La redondance. Regardez bien. À chaque fois, regardez ici. Par exemple, pour le produit, j'ai ID. C'est le nom. Name. C'est le nom du champ. Price. Le deuxième produit, j'ai également ID. Name. Price. Pour chaque champ, il faut répéter le nom de l'attribut. N'est-ce pas? Et vous savez que, comme c'est du texte, le nom de l'attribut, ça prend de l'espace. Par exemple, imaginez que le nom du champ occupe 10 octets. 10 octets. Et le nom de le champ, ça occupe 10 octets. Imaginez que je vous transmets une liste de produits qui contient 1000 produits. 1000 produits. Donc, vous voyez, donc 10 octets, il y a le nom du champ. Je vais le répéter combien de fois? 1000 fois. Ça veut dire que les données que je vous envoie, vous avez 1000 fois 10, c'est 10 000 octets. C'est bête. C'est-à-dire que je vous envoie des répétitions. Le nom du champ, je vous l'envoie pour chaque produit. Je vous dis, tiens, hada c'est ID, hada c'est name, hada c'est price. Hada c'est ID, name, price. Donc à chaque fois, je vous envoie le nom du champ. Donc le fait que les noms des attributs se répètent, c'est-à-dire techniquement parlant, c'est qu'on est en train de perdre beaucoup d'espace encore en termes de transmission de l'information. Mais imaginez que je vous envoie quelque chose comme ça. Je vous envoie, par exemple, au lieu de vous envoyer le nom du champ, 1, virgule PC, virgule 120, virgule 2, par exemple, imprimante 320. Bon, je vous dis juste l'exemple comme ça, n'est-ce pas? Ben, je vous envoie les mêmes informations parce que ce qui vous intéresse, c'est quoi? Ada, c'est quoi pour moi? C'est ID, Ada, c'est le nom, et ça, c'est le prix. ID, le nom et le prix. Donc, vous voyez ici, donc, je ne répète pas les noms des champs. Le seul problème maintenant, si je vous envoie ces informations, c'est que vous n'allez pas comprendre c'est quoi cette première valeur, et c'est quoi cette deuxième, et c'est quoi cette troisième. Donc, vous avez besoin de savoir que le premier champ, c'est ID. Le deuxième champ, c'est quoi? C'est le nom. Et le troisième champ, c'est le prix. Si vous savez que le premier champ, c'est ID, le deuxième, c'est le nom, et le troisième, c'est le prix, ben ça, c'est mieux que celui-là, n'est-ce pas? Ce format-là, ça va être mieux que le format JSON. C'est-à-dire que ça va coûter moins d'espace que le format JSON. Et justement, c'est ce qu'il va faire, ce qu'on appelle Google, il va créer un protocole qui s'appelle ProtoBuf, un protocole buffer. Alors, en fait, le format protocole buffer, c'est un format ProtoBuf ou bien protocole buffer, c'est un format qui prend beaucoup moins d'espace que le format JSON. C'est-à-dire, c'est encore plus optimisé que JSON. Comment? Alors, c'est ce que je viens de vous dire là. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire avec protocole buffer? Il suffit d'avoir quelque part un schéma, les schémas XML, un fichier dans lequel on va dire que le ID du produit, c'est le numéro 1. Le nom le name, c'est le numéro 2. Le prix, c'est le numéro 3. Je vais attribuer un numéro à chaque champ, n'est-ce pas? Maintenant, si je sais que ID, c'est le numéro 1, le nom, c'est le numéro 2 et le prix, c'est le numéro 3, eh bien, quand je transmets les données, ben, je vais vous transmettre les données comme ça. Par exemple, vous savez que la première valeur, c'est ID. La deuxième valeur, ça va être le nom. La troisième valeur, ça va être le prix. Et après, il y a un séparateur, le ID, le nom, le prix. Donc, et comme, en fait, Protocol Buffer n'utilise pas le format texte, il utilise le format binaire. C'est-à-dire que les données sont envoyées en mode binaire et non pas en mode texte, ça va faire gagner beaucoup d'espace. Regardez un exemple ici. Supposons, vous savez, en format JSON, quand je fais ça,
Par exemple, vous avez un champ, par exemple, un champ de type booléen. Vous savez qu'un champ de type booléen, par exemple, disponible, un champ disponible, la valeur, vous savez, en format JSON, pour dire que le champ booléen, on va utiliser le type true. True ou bien false. True, ça veut dire c'est vrai. False, c'est faux. Alors, regardez bien. Il y a un problème ici. Vous avez ici deux problèmes. Le premier, d'abord, c'est que vous avez le nom du champ, ça prend combien d'octets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regarde le nom du champ, ça prend le stockage des octets. Et la valeur. Maintenant, la valeur, il y a combien d'octets? Parce que c'est du texte. 1, 2, 3, 4. Ouais, Zid, allez, add les deux points. 5. Zid, allez, add l'accolade. 6, 7. 7 plus 10, c'est combien? C'est 17. Oh, vous voyez le format texte? Add les double quotes, etc. Donc, c'est-à-dire, regardez le type, la valeur. La valeur ici, true ou false, ça prend 4 octets. 4 octets. Mais en réalité, vous savez, le type booléen, ça prend un bit. Vous savez, un bit, c'est. Parce qu'un octet, c'est 8 bits. Donc, ça veut dire que le type booléen, je n'ai pas besoin de. En mode binaire, je n'ai pas besoin de 4 octets pour vous dire, wesh, true, la false. J'ai besoin de vous envoyer un seul bit. Avec un bit, je peux dire, wesh, 0, là, ou là, 1. Donc, ça veut dire que, avec protocole buffer, avec protocole buffer, je peux vous envoyer les mêmes informations, mais avec protocole buffer, ça va prendre moins d'espace. Par exemple, ici, dans notre cas ici, le même message que vous voyez là, en protocole buffer, ça va prendre 25 octets. Donc, ce qui fait que si vous voulez voir maintenant dans les formats d'échange de données, quel est le plus optimisé? C'est protocole buffer. Ça prend moins d'espace. Et après, il y a le format JSON et après, il y a le format XML. Donc, protocole buffer, ça prend moins d'espace que JSON et JSON prend moins d'espace que XML. Ben, tout simplement, la quatrième génération du web service, c'est la génération qui s'appelle gRPC. Alors, gRPC, il va exploiter deux choses. La première, c'est quoi? C'est d'abord, c'est le protocole HTTP2. Ça, c'est important. Et le deuxième, c'est utiliser un format de données qui prend encore beaucoup moins d'espace que XML et le format, disons. Ça veut dire que techniquement parlant, gRPC, c'est plus performant que GraphQL. GraphQL, c'est plus performant que REST. Et REST, c'est plus performant que SOAP. C'est clair? Alors, je vais faire une récapitulation. On va prendre une pause. Parce que ça, c'est juste la culture générale. Rappelez-vous bien, parce que dans les entretiens souvent d'embauche, la partie des web services, c'est quasiment la plus importante. Parce que quel que soit le métier sur lequel vous allez travailler, on vous posera souvent des questions, les web services. Et parfois, il y en a beaucoup qui n'ont pas un peu cette culture. C'est de dire tout simplement les web services, à quoi ils servent. Et après, surtout, il faut savoir qu'il y a quatre générations des web services. Donc, les web services basés sur SOAP qui utilisent XML, il y a REST, il y a GraphQL et gRPC. Alors, maintenant, ce qui reste par la suite, c'est de voir, dans notre cas, comment créer un web service, comment le consommer. Et vous allez pratiquer tout ça dans des exemples d'applications. C'est ce que nous allons voir après. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que pour faire communiquer les applications distribuées, vous avez besoin d'utiliser ce qu'on appelle les middleware. Alors, dans les middleware, il existe deux modèles de communication. Il y a la communication synchrone et asynchrone. Dans les middleware, c'est-à-dire qui utilisent la communication synchrone, quels sont les différents middleware? Il y a les anciens qui sont IRIMI et CORBA. Mais après, il y a les web services. Et dans les web services, il y a quatre générations: SOAP, REST, GraphQL, gRPC. Après, dans la communication asynchrone, on aura l'occasion de voir. Généralement, les entreprises utilisent des brokers. Parmi les brokers qui sont très connus, il y a notamment Kafka, qui est l'un des brokers qui est très, très populaire, qu'on aura l'occasion
d'utiliser. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est la récapitulation. On va prendre une pause. Et juste après, on va voir les web services basés sur SOAP. Après, comment les créer, comment les manipuler. Bon, mais honnêtement, les concepts de base, vous allez voir, c'est pas compliqué. Mais cette vision-là globale, il vous sera très utile. Et vous allez voir que c'est quelque chose qu'on va vous rappeler durant chaque cours. À chaque fois, il y a un cours, on va vous rappeler toujours ce slide-là. Voilà, parce qu'en fait, c'est une partie sur laquelle il y a beaucoup de chapitres, il y a beaucoup de choses qu'on va travailler dans le futur, à ce niveau-là. C'est bon? Voilà, donc je vous laisse prendre une pause de 20 minutes et après on va se retrouver.